Tipeee, on se retrouve pour une nouvelle boutique. Aujourd'hui on est le 24 octobre. Il y a un nouveau ensemble boutique. En plus je vous avais mis en photo, si vous avez été voir sur communauté, de, du coup sur ma chaîne YouTube, j'ai mis tous les futurs skins qui vont sortir. Je les ai mis de là en plus. Donc franchement, on va aller voir ça tout de suite. C'est parti pour les nouveaux skins. Attention. Ok, chargement. Ok, nous avons les deux nouveaux skins avec leur revêtement, leur pioche, enfin leurs deux pioches parce que du coup il y en a deux, hein. Je vous l'avais dit qu'il serait avec les skins. Et du coup il y a des retours de certains skins. Il y a également une nouvelle danse, enfin une nouvelle danse plutôt, le retour d'une danse qui était là depuis, enfin qui est pas venue depuis un moment en boutique. Donc on va voir ça en détail les petits potes. C'est parti pour le premier skin. Ok, donc le skin féminin que je trouvais déjà badass déjà en photo. Est-ce que dans le lobby elle est aussi belle? Oh, ah si, elle est aussi belle dans le lobby. Le skin coûte 1200 V-Bucks. Ah non, elle a du flow, les potes. Alors, en fait, elle a un côté un petit peu militaire avec son short, un peu même couleur militaire. Enfin, quand j'ai des couleurs, c'est plutôt les motifs militaires plutôt. Les militaires, c'est plutôt vert kaki. Avec des j'aime bien les tatouages des skins chaque fois. Ouais. Excusez-moi. Je suis enrhumé en plus, donc c'est un peu chiant. Du coup, le petit skin coûte 1200 V-Bucks. Ah, j'ai envie de me la prendre parce qu'en vrai elle est stylée. Hein. Ah non, mais j'aime bien. Hein. Le petit skin du coup avec son petit sac à dos. Le sac à dos il est pas là non plus. Genre il y a le petit truc là qui est rose là. Moi c'est stylé. Moi j'aime bien. Alors la petite pote avec le petit code créateur J'ai la gameuse. Je vais m'acheter ce petit skin là parce que je trouve qu'il est badass. Allez, à premier achat de la boutique. C'est parti. Ah ça, franchement. Elle s'appelle insatiable. Insatiable. Donc c'est genre elle a toujours faim quoi en gros. Ok, nous avons du coup la petite pioche normalement. La désingueuse, d'accord. La pioche, c'est une double pioche. Plus un V-Buck. Elle est pas mal la pioche aussi. Dites-moi si vous aimez bien la pioche ou le skin, enfin. Ou même les deux, peut-être que vous aimez bien les deux. Je vais pas tout acheter parce que bah. C'est après un petit buck. La pioche elle est pas mal. Ouais, pour plus sur les bucks, elle est pas mal. Ok, nous avons du coup le garçon. Le skin masque garçon, du coup l'ensemble, il est assez drôle. La tronche qu'il a le garçon. On dirait que c'est un prisonnier, je crois. Enfin une sorte de prisonnier, non, il me semble. Il s'appelle Grailleur. La tête qu'il a, on dirait qu'il a envie de te bouffer. Regardez-moi les dents qu'il a. Il a des yeux au moins. Il a peur d'avoir deux yeux. Alors c'est un skin sans yeux. Que penser de ce skin? Il est assez drôle. Il y a un petit côté funny. J'avoue que j'ai envie de savoir comment ça devient en game. Je vais pas l'acheter, j'ai pas assez de bugs pour l'acheter. Mais regarde le sac à dos. Elle a la même tranche que le skin quoi. Non, le skin franchement il est plutôt assez drôle. Dis-moi ce que vous en pensez là, de nouveau skin du coup. À 1500 V-Bucks. Non franchement il est stylé. Il a un petit flow à lui disons. Il est particulier. Ensuite, on a bon. Ah, la pioche. J'aime bien la pioche, par contre. Par contre, la pioche, elle s'appelle Poisseuse. C'est une pioche à Mr. V-Buck. Elle est pas mal, non plus. Ouais. Mr. V-Buck, ok. Moi, je trouve qu'elle est, elle est pas mal, la pioche. Elle a un côté un peu différent. On dirait une pioche marteau, un petit peu. Mais pas vraiment, vous voyez ce que je veux dire. Elle a plusieurs styles dedans, mais je sais pas. Je trouve qu'elle a un petit flow. J'aime bien la pioche, j'ai presque envie de l'acheter. Dites-moi, est-ce que je vais acheter la pioche ou pas, les potes? En vrai, j'ai pas pris la pioche de la fille, mais celle-ci me tente plus que la pioche de la fille. Ça se trouve, je pourrais acheter la pioche du garçon et l'acheter la fille, vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi d'ailleurs si vous voulez, j'achète cette pioche. Et si vous voulez, je l'achète, dites-moi en commentaire et du coup, j'achèterai. En vrai, elle me tente pas mal, cette pioche. Franchement, elle a un petit côté marrante. Du coup, nous avons le planeur. Oh, le planeur, d'accord. Plus un V-Buck. Un planeur un peu beaucoup original. Genre, il a des espèces de menottes, enfin, espèces de chaînes plutôt, qui devait être sûrement attaché. Et il mange tout et n'importe quoi, j'imagine. S'il est en train de manger des trucs dans les airs, là. Regardez. La tronche du truc, quoi. Hop là, il mange un truc. Ah, c'est trop drôle. Il s'appelle Aero Gulan. Ok. Ok, le petit ensemble il est plutôt assez fun. Franchement, on est bien côté Halloween là, franchement.
le petit retour du coup du skin facette à 1200 V-Bucks que je n'avais pas acheté la dernière fois parce que j'avais pas assez V-Bucks et là je n'ai pas encore assez V-Bucks pour l'acheter du coup. Cette skin du coup elle est un peu ninja un petit peu avec un petit peu des motifs militaires aussi, ça elle aussi. Voilà, un petit peu. Moi j'aime bien ce skin aussi perso. Ensuite nous avons également avec l'ensemble du coup de ce skin là à 1200. Ça bug un petit peu. Ok. Le petit skin du coup un peu guêpe, du coup la guêpe vorace. Ok, il a un bug de boutique. Ok, ça bug. Ok, pour ça bug là. Oh, calme la boutique. Du coup, 1500 bug le skin du coup. Moi je trouve qu'il a un côté marrant hein, sur le skin là. Je trouve qu'il a un petit peu un côté guerrier. Et surtout avec sa gros. Regardez, la grosse lame. Il en arrière. Vous prenez. Franchement, en vrai, dans les jeux vidéo, vous voyez ça. Tu dis celui-là, ouais, faut... il rigole pas quoi. Non, il a un petit flow. Moi je trouve que les couleurs du skin. Même si voilà, c'est un espèce de truc sur la tête qu'il a. En vrai, s'il faisait une deuxième custom, les potes, ce skin là, si Epic Games faisait une deuxième custom, par exemple, là il y a l'espèce de masque sur la tête. S'il faisait un skin, le skin le même, tu vois, mais sans le masque, genre on pouvait faire deux versions, tu sais, qu'on change pour changer les skins, je l'aurais acheté en fait. Parce qu'en vrai, la tête du bonhomme, quoi, what the fuck. Mais je suis sûr que s'il faisait une custom, une deuxième custom pour ce skin, qu'on pouvait enlever le masque ou mettre avec le masque. Je l'aurais sûrement acheté la première fois qu'il sortait en boutique. La hachette du coup primordial. Ok, on est bon. Le petit ardeur du coup, le planeur. 800 V-Bucks. Tout ça patoche, ce petit planeur. La forme du planeur elle est plutôt assez originale. C'est soit de petites cornes, de piques plutôt. Comme un dard, je présume. La danse du taco, c'est de retour en boutique. Oula, ça bug. La boutique elle bug ou c'est moi là? Ah, c'est bon. Je dis, en même temps, je suis mise à jour d'un jeu vidéo en même temps. Ça va être pour ça que ça bug un petit peu. 500 V-Bucks. La petite danse du coup, nouvelle. Enfin, nouvelle, ouais, pas vraiment nouvelle, mais elle est déjà sortie en boutique, mais j'ai compris. Épineuse, skin à 800 V-Bucks. Le petit skin à 800. Franchement, c'est un skin qui était un peu troll de base, que beaucoup de gens ont utilisé. Le retour du coup de la petite danse à 200 V-Bucks, bien voir, elle s'appelle. Elle est plutôt rare cette danse, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'avait. Probablement, enfin je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'avaient. Ouais. Pour 200 V-Bucks, la petite musique de lobby, cadence de lama. Vous allez vous écouter parce que moi je ne mets pas de musique de lobby. Mais si vous la aimez bien, vous pouvez toujours l'acheter. Le nouveau revêtement du coup. Bout de grailleur, donc ça c'est l'ensemble du skin qui a les deux skins, donc on va regarder vite fait. 300 V-Bucks, donc c'est pas animé mais... Ah oui, moi, il est plutôt sympathique. Il y a des rayures un peu comme les prisonniers et du coup il y a un peu de rose, du espèce de matière du skin en question. Enfin c'est une sorte de matière hein, qu'il a le skin. Le petit pistolet, l'espèce de bandage, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Et il a pas de... Ah merde. Il a pas mis sur le bateau là. Ok, là, il y a... Ok bon, bref c'est pas grave. Le skin pression du coup à 1200 V-Bucks de retour. Ce skin est sorti à la saison 7. Et moi j'appelle le skin un peu sniper féminin. Parce que vous regardez bien, vous êtes ceux qui aiment bien les snipers. Ce skin là il est fait pour vous les potes. Hein. Regardez, le sniper lourd là. Avec les grosses lunettes, les grosses balles. Avec ces balles là, le mec qui est en face de vous, il meurt instant. Hein. Ce skin là, moi je l'aime bien. Je trouve que ça représente bien les côtés militaires un peu discrets, etc. Du coup, dis-moi ce que vous en pensez les potes. Tes deux nouveaux skins, les deux nouveaux pioches et puis là, tout va l'ensemble quoi, total de nouveaux skins en boutique. Sur ce, n'oubliez pas de me dire si oui ou non j'achète du coup la pioche du garçon, d'accord, la petite pioche qui est du coup à 800 V-Bucks ou pas, ou j'achète pas du tout. Voilà, la petite pioche poisseuse qui est juste là. Sur ce, on se dit à ce soir pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, aujourd'hui on est jeudi et on dit quoi le jeudi? Et bah c'est le jour des défis et je vais rusher les défis, les potes, comme ça jeudi. Il y aura sûrement quelques vidéos. Certains défis, comme par exemple, il y aura la lettre R à trouver. Donc là, cette vidéo-là, je la ferai par exemple. Et d'autres vidéos que je pourrais faire aussi également. Allez, à plus tard. Ciao.